Et salut les amis, c'est Kifou. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Blasphemous. On s'était arrêté juste ici après avoir sauvegardé. Mais bon, moi j'aime bien faire le jeu dans l'ordre. Bon après, peut-être que c'est par là la suite, je ne sais pas. Mais il y avait des endroits où je pouvais aller que je n'ai pas visité. Comme celui qui est par là. Voilà, non mais... c'était fait exprès, bien entendu. Voilà. Vous savez... Voilà, non mais c'est parce que j'aime bien vous faire marrer, et puis... Qu'est-ce que c'était drôle. Bordel. Mais accroche-toi, salopio. Wow, c'était Tandax. Wow. Vous avez acquis le cœur de la vertueuse douleur. Équipé à mes culpa d'un cœur d'épée pour altérer ses propriétés. Ces cœurs offrent de puissantes améliorations, mais toujours à un prix. Reposez-vous à un prix Dieu pour accéder à l'épée et lui insérer un cœur différent. Je peux pas l'avoir, il est beaucoup trop loin. Ah, j'ai envie de tomber là. Bordel. Là, je me suis dit que je pouvais atterrir de en bas là, ça me ferait un raccourci au lieu de repasser par les échelles. Du coup, c'est un fail encore une fois. Parce que je vais devoir reprendre ces échelles de la mort là. Putain, en plus il se coince. Ah, j'espère que vous aimez le skill ici sur la chaîne Fifou Gaming, parce qu'aujourd'hui je vous régale. C'est la régalade, hein. Allez, il y en aura pour tout le monde. Attendez, peut-être qu'il y a encore des fragments de culpabilité de l'autre côté. Ok. Ouais, c'est bon. Viens par là. Parfait. Je les ai tous récupérés. Maintenant, Ça, j'étais en train de stresser. Ouah. Hey, easy. Donc là, il y avait... il y avait des enfoiros. De toute façon, il faut que je passe par eux. Vas-y, fais-moi monter la barre. Parfait. Ah là, tu m'as bien fait monter la barre. Très bien. Je peux aller soit ici, soit tout en bas. On va commencer par là. Hein. Ok. Bon, là, il y avait des ennemis. Je m'en rappelle. Allez, t'as vu? Le gameplay! Je peux détruire ça? Non. J'essaye. Qui c'est ça? Sister of mine, as I foretold you, someone is heading towards the Forbidden Gate. Someone who seeks the purge and excommunication of all that is sacred and rests there.
No, no. Do not place your doubts on me. I am ready. Ouais, ouais, dégage. You are ready. Alors, les songes de pitié. Vous n'avez plus de culpabilité. Hein? Pourquoi? J'en avais? J'aime beaucoup la musique. Ouais, non mais super! Ça donne envie d'y aller, hein. J'ai peur que ça me transperce même si je reste là. Non, c'est bon. Salaud. On a quand même fait des dégâts. Ah, c'est bon, hein, ça suffisait pas? Parfait. Je m'attends à ce qu'il y ait Kenji Jira qui commence à chanter. Voilà. Mais non. Oh. Ok, j'ai compris comment il faut faire. Vas-y, viens. T'aimes bien la douleur, hein? Hein? Ah, le SM. Oh! Et il est résistant! Oh oh. Mais je suis quand même le plus fort! C'est pourquoi? Pourquoi je vais là? Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a rien. Je sais pas pourquoi je suis monté là. Et j'ai perdu de la vie bêtement. Pourquoi, Fifou? Quels sont tes projets? Ah, ok, ça m'a débloqué le raccourci ici. On n'hésite pas à sauvegarder. C'était déjà comment pour planter l'épée? Je me souviens plus. Je crois que c'était carré. Est-ce que ça fonctionne que sur certaines structures? Donc là, ils sont bien de retour. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ok, encore un passage à débloquer. J'avais pas une compétence, genre si je détruisais les objets, ça me donnait des trucs. Quoi, ces nouveaux ennemis là? Tu veux pas te barrer, s'il te plaît? Ah, merci. J'aime pas trop ça. Oh, il me balance. Balance des Kamehameha, le machin. Franchement, avec tout ce que j'ai fait, je mériterais d'avoir une troisième fiole de vie. Hein.
Non. Ah, me chute. Oh. Oh, le mauvais. Vous voulez pas partir de là? Regardez l'autre là, il est en train de s'auto-flageller là. Il fait oh, j'adore la douleur. Oh, oh là là, il adore. Voilà. Parfait. Ce skill légendaire, vous le trouverez nulle part ailleurs. C'est bon, je débloque le raccourci. La sauvegarde, ok, elle était un peu plus haut. Moi, j'ai pas fini de visiter cette pièce. Je sais pas s'il m'a touché. Et j'ai récupéré une vertèbre cervicale de Zichier. Collection. Zichier, le brasseur, attira une triste notoriété à son monastère en brassant la bière la plus célèbre du royaume. Un soir, les flammes d'un incendie firent monter sa légende jusqu'aux cieux. What? Une petite perle de cire rouge. Qu'est-ce que c'est que ce machin encore? C'est des perles de rosaire. D'un pourpre sévère, les prières murmurées en sa présence renforcent légèrement la vitalité du porteur. Je vais retirer ça. Je vais équiper ça. Ah, je... Pourquoi pas gagner un petit peu de vie? En revanche, je vais sauvegarder. Non, mais c'est pas vrai! Je sais pas dans quel jeu j'appuie sur L2 à chaque fois. Mais ça m'est resté en tête en tout cas. Ça fait même pas augmenter ma barre, ça. Nul. Voilà, option inventaire, cœur. Peu sans fin. Renforce la parade et augmente sa durée. Ok. Alors, je vois pas trop en quoi ça renforce sa durée. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même. Hein. Ouais. Peut-être une demi... Allez, 0,1 une seconde. Donc là, j'y suis... Ouais, je suis déjà allé. Oh non, commencez pas là. J'arrive pas à les esquiver comme ça. Nul. Bon, heureusement, ça m'enlève pas non plus des tonnes de vie. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Let us be captives of the miracle, penitent one. Do not be surprised to find this merchant here. This ancient occupation requires me to be wherever I can obtain rewarding benefits. Call me Candelaria,
for what I sell would make your eyes light up like the high bonfires. I will not ask you for any money whatsoever. Those forbidden tears you shed would be more than enough for me. Go ahead, cast your darkened eyes over these valuable treasures. Ok, avec grand plaisir, on va voir ce que c'est. What I am offering you here is as lustrous as the first star of the night. Ouais. And may my eyes be blinded if I'm lying. Je suis sûr que t'es aveugle. Alors, ça coûte 1500, ok. Petit flacon rempli de mousse, les petites fleurs blanches qui scintillent au-dessus peuvent protéger contre les toxines. Ok, non, merci. What I am offering you here, and may my... Une sphère vide et ternie, on n'y voit plus aucune trace de nacre, mais elle conserve un vague éclat bleuté. Elle inspire la ferveur à qui détient les objets autour de lui. Je sais pas à quoi ça sert. Et ça, c'est quoi cette clé? La clé de la chambre du frère aîné. Ah bah voilà, une clé internite gardée par le frère aîné de la confrérie. Sa perte ultérieure, c'est là à jamais la pièce qu'elle devait ouvrir. Ça, c'est sûr, je vais l'acheter. Du coup, je peux acheter ça aussi. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais j'achète. Perle creuse. Ok. Sa fragilité apparente renforce légèrement les défenses. Je vais retirer ça, parce que franchement... Si c'est vraiment légèrement, c'est pas non plus un truc de ouf, quoi. Alors, maintenant j'ai la clé pour ouvrir la salle, là, du truc du frère aîné. Mais ça, de toute manière, je crois qu'il y a... Alors, je peux placer un marqueur. Je ne pense juste pas que je puisse me TP. Non, je crois pas. Ah zut. Ouais, je vais devoir revenir bien en arrière. Ok. Une salle pleine de pièges. J'adore. Non ! Ah, je savais pas que ça allait me toucher. Ouf! Oh, c'est passé, mais pas loin. Ah, ça, c'est sale. Putain. Dégage de là! Allez, viens. Comment ça, il a réussi à me fouetter? Voilà, allez, vas-y, encore le roi, là. Parfait. Mais... Bordel de ch... Ouais, ça augmente le temps de défense, ouais. Et mes fesses... Regardez ma pauvre vie. Il y en a deux qui sont là. Ok, là il y a trois ennemis.
Le King, là, il veut pas venir me voir. C'est bien dommage. Oh, ma pauvre vie. Ma pauvre vie. Ok. Oh, je suis tellement dans le mal. Oh non, 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 dégagez. Oh là là. Est-ce que je suis en full stress? Oui. Clairement. Voilà, vas-y, vous exagérez là. Là, je peux pas passer. Là, je suis bloqué là. À moins qu'il y ait une sauvegarde pas loin là. Ce qui m'étonnerait très fortement. From a place of blessings have I been entrusted with watching over you, penitent one. Thus it has been arranged. My name is Viridiana. I have been granted a gift with which I can assist you in carrying your burden if required. But only you can make that choice. Penitent one in silence, will you require my assistance with your next task? Ouais, vas-y, aide-moi, s'il te plaît. So be it. Après, je sais pas en quoi elle va m'aider. Elle va m'aider sur un combat de boss ou un truc du genre. Oh oui! Parfait. Du coup, je peux retourner dans l'autre pièce qui était cachée là. Il doit sûrement y avoir une orbe cachée ou un truc du genre. Enfin, je l'espère, parce que vu tous les ennemis qu'il y a. Voilà. Arrête d'essayer de me fouetter. Oh là là. En plus, ils prennent beaucoup de coups avant de se faire massacrer. Ce truc, il disparaît pas. Voilà. Quoi ? Dégage! Mais... Oh, je suis mort. Non, j'ai eu de la chance. Allez! Oh là là! J'espère que ça valait le coup. Un flacon de bile vide. Un récipient de cristal et d'or capable de contenir la bile sacrée qui émane des fontaines de deuil. Levez-vous et dites-nous ce que vous avez vu, l'invita le scribe sans quitter son vélin des yeux. J'ai reçu l'ordre d'exhumer un pénitent enterré il y a environ un an, répondit le fossoyeur. Il était très aimé à Albero et de nombreux paroissiens s'intéressaient à sa tombe. Mais lorsque je l'ai déterré, nous avons vu du sang suinter d'une fêlure de son sarcophage, un sang rouge comme le vin. Les badauds se sont empressés d'ouvrir le couvercle et l'ont porté sur leurs épaules en regardant le sang couler de son flanc.
D'autres sont rentrés chez eux en courant pour chercher des seaux et des bouteilles ou recueillir le sang qui ne cessait de couler. Ça veut dire que c'est une troisième bouteille ou pas? Parce que là, j'en vois que deux toujours là-haut, hein. On va voir ça. Vu que je vais me reposer là. Ben non, j'en ai que deux. C'est quoi, objet de quête? Ah, mais ça, en plus, ça fait partie d'un objet. Mais moi, je voulais une troisième bouteille. Bon, là, je sais pas. Il doit sûrement y avoir un boss quelque part. Je ne sais pas. Le truc, c'est que j'ai acheté la clé là. Qui va me permettre de déverrouiller la porte. Ça s'appelle comment là? Là. La clé de la chambre du frère aîné. Et du coup, je vous avoue que j'ai quand même envie d'y aller. Donc je vais retourner en arrière, je vais vous éviter ce fardeau, je vais mettre en pause l'enregistrement. Une fois que je serai devant la porte, je reprendrai l'enregistrement. À toutes. Et voilà, bon, et je suis presque revenu au tout début du jeu. Tout ce que j'ai dû traverser pour venir jusque là. Voilà, vous avez utilisé la clé de la chambre du frère aîné. Il y a intérêt que ça soit ouf hein, ce qu'il y a là-dedans. Sans perpétuer dans le sable. Équipez-vous de reliques pour changer votre perception du monde. Chaque relique possède des effets uniques et différents. Vous pouvez vous équiper jusqu'à 3 reliques à la fois. J'ai fait tout ça pour quoi? Du sang préservé aux propriétés miraculeuses. Avec le trépas de son porteur, de nouvelles corniches sont révélées. Auparavant invisibles, le miracle est véritablement indicible. Et nul ne connaît l'origine du sang qui bouillonne autour des pieds de son porteur. Prenez cette bourse et emplissez-la de sable, puis recueillez-y le sang de ces terribles blessures afin qu'il teinte les graines écarlates. Ainsi, vous trouverez dans ces terres arides le chemin que vous devez suivre. Laissez-moi, Céan. J'aimerais dire mes prières car bientôt je rejoindrai la sève sèche de ces arbres qui étreignent douloureusement notre père. Donc ça va me permettre de voir des plateformes que je ne voyais pas avant, c'est ça? D'accord. Comment je sais de quelle plateforme il parle? Vous êtes marrant. Tchou! Ah, du coup, je vous reprends l'enregistrement avec moi, hein. Voilà, c'est marrant de revenir. Surtout que je pense que bah, maintenant qu'il y a des plateformes qui nous seront désormais visibles, je pense que il y a des nouveaux trésors à aller dénicher. Oh, saleté! Ah bah voilà! La perle de bois peint. Une sphère couverte d'un vernis jaune, la peinture écaillée trahit son origine, du chêne vert de la forêt de la ligne sainte. Il peut permettre de récupérer de la santé lorsqu'on détruit les objets alentour. Oh, let's go. Pourquoi pas? Vu la vie que je perds dans ce jeu, c'est un type d'objet qui me sera bien utile. Voilà, dégage avec ta roue. Voilà. Attends, j'en profite pour récupérer un petit peu de points et tout ça pour pouvoir m'acheter d'autres trucs.
Albero, si, si. Et rien à y faire. Je suis tout au max, hein. La vie, tout. Là, il y avait le truc si je voulais améliorer mon arme. Peut-être que je peux débloquer une petite compétence. Ouais, je vais voir. Voyons voir. Je peux récupérer. Alors, ça, je peux pas. Pénitent, assène une quatrième attaque. Ok, ça coûte 2K. Fardeau du péché, exploite la vitesse d'une chute depuis une grande hauteur pour porter une attaque puissante en piqué. Et ça, ça coûte 1005. Puis je profite d'un élan de l'esquive pour déchaîner, mais à coup de pas sur les ennemis les plus éloignés. Maintenez carré en esquivant. Ouais, ça, peut-être que je vais économiser pour m'acheter ça. Ça peut être sympa. Parce que la parade, ça va, je commence gentiment à maîtriser, mais autant, alors l'esquive comme ça là, bam, ça y a aucun souci. Et du coup, ça me crée pas une plateforme là sur le haut pour que j'aille récupérer le petit truc là. C'est quoi? C'est une fille? C'est un bébé dans une cage? Je sais pas ce que ça représente. Ah non, hein. Rien à faire. Hein. Je peux pas appuyer, il y a rien. Ok. C'est pas grave. Je vais tenter de passer en esquivant quand même un petit peu. Voilà. Du coup, j'étais venu ici. Ouais, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Il n'y a pas de pièce secrète. Lâche-moi. Ah, c'est pas passé loin. Hein. GG à lui. Ça me dit qu'il y a un... Ah ouais, mais je peux pas aller, c'est bloqué. Du coup, faut que j'en profite. Parce que là, il y a un étage que je n'ai pas fait, ici. Tu te calmes. Mais n'importe quoi! Et je récupère quand même pas mal de vie en fait. Hein. Je viens de le remarquer. Donc cet étage qui est là, je l'ai pas fait. Oh, il y a encore cette saleté d'ennemis là. J'ai intérêt à m'occuper d'eux. Vous savez vraiment pas viser, hein, les copains. C'est long. Je peux encore continuer sur la droite. Ah, il y a un point. Le pont du calvaire avec un point de save. Ok. Voilà, chef.
What? Tout ça, c'est pour passer comme ça en dessous? Tu te fiches de moi? Oh, même pas un petit secret. Ah, je suis dégoûté. Surtout que j'ai utilisé de ma magie, là. Je peux même pas détruire ces lanternes pour récupérer de la vie. J'aime pas ça. Ça sent le boss, bizarrement, non? Here lies the door, on whose bronze the ordeals of those chosen by the miracle are perpetuated. On it, for the art of these images to be worshipped and revered, ornamentation must take place. His sculpted holiness watches us, rigid, from on high. But it is the relief of the bronze that dictates who is worthy of passing under its adorned arch. Find the holy visages, and the bronze will know. For fickle are the wishes of the miracle. Tu vas me dire que je peux pas passer, c'est ça? Ok. Ah, mais c'est toujours un plaisir! J'espère qu'il y a un truc pour qu'il puisse courir quand même un tout petit peu plus vite. Ok, bon bah du coup il est temps de refaire cette descente incroyable et magique. Et puis on ira ensuite aller par le haut où se meurent les oliviers. C'est par là qu'il faut aller, non? Chut, attendez. Ah non, 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 il faut que je retourne. Ah, il faut que je crois qu'il faut que je retourne tout en arrière en plus. Heureusement que je n'ai pas sauvegardé. Non, cet ennemi-là, voilà quoi. En plus, il faut se repérer. Hein. Donc voilà, l'étage. Ciao. Oh, c'est pas vrai! Là, il y a un moment, t'as envie de leur dire, mais laissez-moi tranquille! Je vous ai rien fait! Enfin, si, j'ai quand même massacré pas mal de monde dans le jeu. Parfait. De toute façon, il y a la sauvegarde qui est tout en bas. Ouais, mine de rien. Hop. C'est par la droite, ok. Oh, ça va être un bordel. Et qu'est-ce que tu fais, Fifou? C'est vrai que c'est la première fois que tu joues au jeu. Non, c'est la deuxième seulement. Ouais, je me réponds à moi-même. Ça, c'est pas juste. Ah là, je demande l'avare. Hein. Putain. Oh là, je le demande pas l'avare. Là, j'ai juste été très mauvais.
Ah, alors comme ça je récupère aussi de quoi me friter avec le boss. Tu te calmes tout de suite. Allez, vas-y, viens. Oh non, 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 pas lui, pas lui, pas lui. Oh, c'est pas possible, c'est pas juste. Non. Ils vont me massacrer. Ah, ils vont me massacrer. Oh, oh, c'était pas passé loin là. Ok, j'ai pas trop intérêt à faire le con là. Et vous savez très bien ce que je vais faire, le con. Là, je crois que je me fais toucher une fois ou deux, je suis mort. Hein. Là, j'ai pas envie de partir en mode parade, machin. Voilà. J'ai juste envie de sauvegarder, s'il vous plaît. Me trollez pas, laissez-moi sauvegarder. Putain, la descente aux enfers pour venir jusque-là. Hein. Voilà. Ouf. Ah, elle fait du bien. Bon, alors, du coup, je peux aller soit sur la gauche, soit sur la droite. Allez, on continue notre visite. Putain, alors là, si ça sent pas le boss. Bonjour ! Désolé, non, non, je voulais pas vous réveiller ! Oh ! Mais laissez la tête tranquille ! What? Il me balance des trucs? What? T'es sûr de vouloir m'aider ou t'es en train de me troll? Aide-moi! Aide-moi! Je me suis pris une tarte dans la gueule. Je voulais reprendre de la vie. Et ben... J'ai pas réussi! Super! Fragment de culpabilité, vas-y, reviens. N'aie pas peur de toi. Bordel, la petite claque, comment elle fait mal! Aide-moi là! Oh non. Oh, c'est pas vrai.
non, je suis... Ah là là! Faut que j'attende qu'il fasse sa petite claque, là. Voilà. Ah, bordel! Et là, j'ai fait parade, hein. Aide-moi. Mais putain, mais laisse-moi passer de l'autre côté. Il m'a coincé, je peux pas passer de l'autre côté. Aide-moi, s'il te plaît, vas-y. Et merde, elle a disparu. Ah, je suis mort, non? Non! Wow, tu te calmes. Oh, non! Oh, c'est pas vrai! Ah, dommage, franchement dommage, mais c'est bon, je commence à comprendre un peu ces vieux patterns, mais là, quand il m'a coincé contre un mur et qu'il me filait là, ces patates de forain, là, c'est les petites gifles de fin de discussion, là, c'est bon. Allez, tac. Non, mais c'est... Ouais, là, il m'a fait très mal. Parfait, merci. Merde. Putain! Merci. Non, mais en même temps, et je saute dessus, je mérite pas. Elle veut pas me soigner? T'arrives pas à me soigner encore une fois, s'il te plaît? Ok. Je vais utiliser ça une fois. Il a quand même réussi à m'avoir une fois. Merde! Non!
Ah non, j'aurais juste dû te sauter. Ah bah là, de toute façon, j'étais coincé. Bon. Ok. Franchement, je suis pas loin. Franchement, je suis pas loin. Ah, c'est chiant. Faut que je reste calme. Je dois de nouveau remplir ma barre là. Là, je suis bête. Non, putain, c'est pas possible. Il va m'avoir ou pas? Non. Je l'attends. Allez, s'il te plaît. Putain. Ouais, bon, là, c'est foutu. Ouais, non, c'était foutu de toute manière, quoi qu'il arrive. Je préfère recommencer avec un petit peu plus de magie. Histoire de lui balancer un petit sort ou deux. T'es chiant, hein? Ok. Oh oui, mais continue comme ça, hein? Sinon, tu peux aussi l'attaquer. Parfait. Wow, wow, wow. Là, je suis en pleine concentration. Vas-y. Hey, je suis beaucoup trop loin pour que tu me fasses ça. C'est pas du jeu. Merde. Il lui reste trois petites barres. Let's go! Pouh.
Merci, sauf que cette fois, ton aide, j'en ai pas vraiment eu besoin. Mais c'est quand même cool que tu sois là. Ah, juste avant... Ah, je ne peux pas retourner en arrière. Ok, très bien. What? Carte indisponible? Est-ce que je me retrouve encore? Ouais, je me soigne, on ne sait jamais. In the name of the great ordeal and the sons of the miracle. When you humbled yourself before my most holy body. You have been granted the presence of my golden visage, custodian of one of the three sorrows of the soul in penance. Our miracle has chosen me amongst all the peers, just as it chose you, to walk on this sacred sea. May the gold in my visage melt and erase the attrition of your soul. Heart of guilt, return now from the dream. Ok. La sainte blessure d'attrition, la marque laissée par le visage d'or qui révèle la pureté d'attrition dans l'âme du pénitent. Santo Credo, premier verset, sa sainteté pour sa haute pénitence, d'endurer trois souffrances dans son âme. Chacune est un motif et chaque motif est une plaie. Ces trois plaies sont donc la clé de son éternelle douleur et doivent être protégées. Oh, toi tu vas me raconter ta vie, laisse-moi juste avant. Oh, ça fait du bien. The first humiliation of penance. You have met the visage of attrition. You have yet to prostrate before two last holy visages. Donc c'est bien ça, il me reste encore deux beaux visages. Bonjour Laura. Je peux pas te massacrer ? Non, c'est bien dommage. Ok, bon bah du coup je vais en rester là pour cette partie du let's play. Bon, c'est cool, on est arrivé jusqu'à un boss et puis après je sais pas combien de try, on a quand même réussi à le finir sans me soigner une seule fois. Et ouais, quand je me concentre à fond, hein, ça change la donne. Bah, dans tous les cas, bah, j'espère que cette partie de Blasphemous vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le petit like, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très très vite pour la suite de nos aventures. Allez, bye!